Oh, le rouge, il représente la Réunion physique, c'est-à-dire volcan. Hein. Le volcan a fait la naissance à la Réunion dans la mer. Donc le rouge, c'est le volcan. Le noir, c'est le parti, mais je dis bien une partie de l'histoire de la Réunion. Et souvent, on appuie bien une partie de l'histoire de la Réunion. C'était quand même une colonie, il y avait des esclaves. C'est pas une question de revivre dans le passé, mais il faut nous démarrer avec notre histoire. Donc le noir représente ça, aussi bien les esclaves que les esclavagistes. Aussi bien le dominé que le dominant, demande cette partie-là. Le jaune, et le soleil qui éclaire déjà ce désarboutant-là, la Réunion physique, le volcan. Le ciel, qui nous voit tout le temps, nous dit, nous Mazinali, il est bon quand il y a un cyclone, il est bleu, et puis l'océan Indien, il est dans l'océan Indien. Et le vert, le vert, la végétation, hein. Toute bonne forêt, la Réunion, tout ce qui est vert, tout ce qui la nature, il produit, etc., par rapport à bonne plantation. Et puis, il représente aussi le vert, symboliquement, le monde est libre, la liberté. Voilà. Les cinq couleurs représentent aussi le cinq endroits où ça de monde y sort, pour la construction de la Réunion. Pour résumer, CAF, YAP, Chinois, Zarmalba.